Bonjour Justine, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ainsi que votre titre? Bonjour, effectivement donc Justine Schmitt, je suis native d'Autrotte, actuellement sommelière et reine des vins de cette année. Aujourd'hui nous sommes à la confrérie Saint-Étienne, qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors déjà c'est la première confrérie au sein duquel on a été intronisé, donc en octobre de l'année dernière. En plus de ça, c'est vrai que cette année, on a beaucoup d'événements. Et puis là, c'était les 70 ans de la confrérie. Donc l'ensemble des nations qui sont confrères étaient présentes au château. Donc autant dire que c'était un moment très lourd en émotions, très sympa. Donc déjà, c'est beaucoup d'émotions quand j'arrive ici. Et la confrérie, c'est comme on peut le voir ici derrière. Un peu comme ici. On a énormément de vieux millésimes. Mais pour moi, c'est une grosse histoire de l'Alsace qu'on a au sein de ces bouteilles. Aujourd'hui, nous sommes là donc, pour faire un atelier de débouchage-rebouchage, donc de vieux millésimes, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Déjà, donc, la chance de pouvoir goûter ces vieux millésimes, parce que pas beaucoup de personnes ont accès et peuvent et prennent le risque. Parce que c'est toujours une prise de risque de goûter, mais c'est toujours un plaisir quand on voit que les vins ont très bien vieilli. Donc déjà, c'est beaucoup de chance et c'est la première fois, bien que j'ai ouvert quelques vieilles bouteilles au sein du restaurant auquel je travaillais avant. Mais c'est la première fois que j'utilise certains outils à la pêche au bouchon. Dernière question, votre actualité pour les semaines à venir? Alors la semaine prochaine, c'est l'intronisation au sein de la confrérie à Autrotte, confrérie de la Corne. Ensuite, on a au mois de mars, alors je sais qu'au mois de février, il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore tout à fait prévu. On risque de se déplacer à Paris. Et au mois de mars, on va retrouver toutes les reines à Autrotte également, à l'Hôtellerie des Châteaux, donc un hôtel-restaurant d'Autrotte pour un repas tout ensemble. Merci.